Et bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Clash of Clans, comme vous pouvez le voir. Du coup aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une vidéo tout simplement où on va faire des petites attaques de farming. Alors, il faut savoir que je viens à peine de tourner la vidéo en direct et il faut savoir que ça a complètement crash. Alors j'ai enregistré pendant 30 minutes des attaques, je parlais etc, la vidéo était trop bien. Mais malheureusement, mon micro marchait pas, du coup on m'entendait pas parler. Bref, du coup je vous refais la vidéo et tout simplement, du coup je vais vous montrer deux gameplays que j'ai fait pendant la vidéo que je viens de faire, et ensuite on va faire une petite attaque en direct. Alors en fait à la base la vidéo consistait à faire des attaques en direct, mais du coup ça sera du gameplay. Bref, c'est pareil dans tous les cas, c'est simplement des petites attaques que je viens de faire avec beaucoup de ressources etc. Donc on va commencer directement par celui là alors là les potes, en plus cette attaque j'étais obligé de vous la montrer parce que vous allez voir, c'est la folie. Ok, donc on peut voir du coup que je commence à attaquer par... En plus je suis deg parce que ma réaction était énorme sur l'autre vidéo, j'étais trop chaud, j'étais en mode waouh regardez et tout, parce que vous allez voir les potes que j'arrive à perf cette base. Après avec du recul là je vois qu'il n'y avait pas d'eagle, donc en fait c'est moins impressionnant, mais j'étais trop chaud. Donc on peut voir du coup mon attaque de bouliste qui part par le nord de la base. On peut voir du coup que le mec avait un roi niveau 48 quand même, hein, l'air de rien, alors que le mien est niveau 33. Il y a 15 niveaux d'écart, voilà. Après il avait pas de range je crois, donc ouais ok d'accord, le mec il était quand même pas foufou non plus. Mais bon j'étais quand même content, et puis l'attaque est pas dégueu je trouve, donc je voulais quand même vous la montrer. Je voulais aussi vous dire les potes, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez vous voir comme vidéo Clash of Clans sur ma chaîne. Vraiment n'hésitez pas à me dire quel style de vidéo etc vous plairait. J'attends réellement vos avis dans les commentaires. Donc voilà. Pour ce qui est du coup de l'attaque, on peut voir que je suis déjà à 72%, 73, 75, ça arrête pas d'augmenter. Et du coup vous allez voir que j'arrive à finir sur un magnifique 100% avec en plus énormément de loot quand même, parce qu'il y avait 500 000 d'or, 400 000 d'élixir, et surtout les potes il y avait le butin bonus aussi qui est quand même vraiment conséquent en champion. N'hésitez pas à me dire également en quelle ligue vous me conseillez d'aller tout simplement pour farmer un champion, parce que comme vous le savez ça fait longtemps que j'ai pas joué et du coup je connais pas trop les ligues où il faut aller etc pour bien farmer. Donc là pour le moment je suis en champion, du coup je reste un champion, mais peut-être que ça se trouve c'est beaucoup mieux d'aller en cristal ou en master ou en or. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. On peut voir du coup cette attaque qui se termine, il reste encore une minute. Alors là franchement j'ai eu peur que ça fail time clairement, parce que eh bien regardez il y avait un petit canon là-haut et là je me suis dit attends, ça se trouve le canon il va être il va me saouler ce canon ça se trouve, et du coup ça va faire fail, mais en fait non ça va. Après ma reine est niveau 34 donc c'est quand même pas dégueu. Un petit canon de niveau 7 en face, il fait pas grand chose. Donc on peut voir du coup qu'il reste 20 secondes et ça va du coup se terminer sur un petit perfect. Voilà, pour ce qui est de l'attaque du coup, maintenant on va se faire une petite attaque en direct. On part directement, faut savoir qu'en plus, oula, non on va pas sur la MDO quand même. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez des vidéos sur la MDO. Ça fait hyper longtemps les potes que j'ai pas attaqué sur la MDO, c'est un truc de fou. Vraiment, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite vidéo sur la MDO. Donc, faut savoir aussi que sur la vidéo que j'avais fait juste avant, du coup qui a crash, j'avais quand même claqué 600 gemmes. Du coup je suis un peu deg là pour le coup. Donc n'hésitez pas les potes à bombarder la barre de like pour cette vidéo, pour rentabiliser mes gemmes s'il vous plaît. Non sérieusement, voilà, vous devez rentabiliser mes, les gemmes que j'ai utilisées sur le jeu par des gemmes, des pouces bleus, j'aime, t'as compris le jeu de mots. C'était nul, voilà, bref, en tout cas, du coup, on va essayer de trouver une attaque très vite. Donc, il nous faudrait beaucoup de loot. Allez, là, on trouve une bonne attaque, on y croit, on croise les doigts. Ok, il y a du 11 000, c'est pas fou, clairement. Il nous faudrait beaucoup de loot, moi, je me dis minimum 300 000, ça serait pas mal. Parce qu'en plus, on a quand même une compo qui coûte très très cher, du coup, il faudrait la rentabiliser quand même. Mais après, dans tous les cas, je cherche pas vraiment à être hyper rentable, c'est juste pour faire des petites vidéos fun avec des petites compos sympas, etc. En tout cas, merci à tous aussi pour l'accueil, du coup, que vous m'avez réservé pour la vidéo sur laquelle je disais que je reprenais COC. Après bien évidemment je m'y attendais, mais franchement ça me fait hyper plaisir, il y a eu les 1000 likes très très rapidement, donc merci à tous. J'attends également beaucoup sur cette vidéo les potes, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, parce que voilà, vous me demandez des vidéos Clash of Clans depuis super longtemps, je vous en refais, j'espère que vous serez là du coup. Et faut savoir aussi, les potes, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, je n'arrête pas les lives et les vidéos Fortnite pour autant. Il y aura des lives et des vidéos Fortnite, et il y aura des vidéos et des lives Clash of Clans. Les deux, il y aura les deux sur la chaîne en fait, genre j'arrête pas l'un pour l'autre, loin de là. Bref, du coup, on a un petit 400 000 ici, on va l'attaquer. On va y aller direct, hein, on va attaquer par là-haut pour récupérer du coup l'or qui me semble le plus simple d'accès. Donc tac, les petits sapeurs ici qui partent, nickel, ils ont cassé la base. Nickel, je vais mettre un petit jump ici également.
Je pense que je vais mettre la Kappa Warden aussi pour sauver mes boubous. Nickel. Wow, merde. Ah, j'ai failli mon sort de soin. Je voulais mettre un rage. Bon, bah du coup, je vais aussi mettre un rage. Mais ouais, non, j'ai fait n'importe quoi. Oh, j'ai fait n'importe quoi là à l'époque. J'ai vraiment fait n'imp. Oula, la T2 solo ici qui va faire hyper mal à mon roi. J'active la Kappa. Dans tous les cas, mon roi, il était condamné. Quand il y a une T2 solo qui attaque ton roi, tu sais que ton roi, il est mort. Bon, du coup, ça va être un peu chaud parce que j'ai plus mon sort de soin vu que j'ai fail en début de partie. Je suis à combien? Je suis à 40%. J'ai ma reine. Oh, ma reine en plus qui a gros le molosse, ça c'est laid, ça c'est dommage. 41%, je pense que je vais fail. Je pense que je vais fail, les potes. Non, non, oh le fail d'une vie. Oh, ça va même pas faire 50 quoi. Oh, c'est trop laid. Non, 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 on peut pas fail comme ça, les potes. Non. Oh, je suis déçu. Attendez, je suis à combien? Je suis à 45%. Est-ce que je peux gratter un petit 50 ou pas? Est-ce que vous y croyez, vous? Je suis à combien? Je suis à 48. Ok. Si ah non, il y a l'eagle, ça va être compliqué. En vrai, il n'y aurait pas eu d'eagle, ça aurait pu passer. Parce que là, du coup, je vais gratter 49. Ah non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Oh, je suis trop deg. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui a plus beaucoup de vie ou pas? Parce que là, à la limite, je peux faire comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un bâtiment qui a pas beaucoup de vie? Attendez, là, du coup, ça va faire 49 normalement. Elle va même pas y arriver à l'avoir là. Oh là 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 là, cette galère. Bon, bah tant pis du coup, 49%. Non. Quand même pas, 48%. Non, la déception totale. C'est la catastrophe, ok. Oh purée, la reprise est dure. Franchement, la reprise sur Clash of Clans, c'est très dur. On va faire une dernière partie. On reclaque des gemmes encore. Là, les potes, ça va plus, là. J'ai claqué trop de gemmes aujourd'hui. Ça va plus du tout. Je pense que pour les prochaines vidéos, je vous ferai des coupures. Ça sera mieux. Parce que je peux pas me permettre de mettre autant de gemmes tout le temps. Ok. Du coup, j'espère vraiment cette fois-ci, par contre, que le son, il s'enregistre. Sinon, je vais vraiment péter un câble. Ok. Donc, on va re-essayer de trouver une partie avec beaucoup de ressources. Chose qui est pas gagnée. Parce que là, tout à l'heure, j'ai eu de la chance. Mais c'est vrai qu'en or, enfin, champion, là où je suis, il y a du loot, mais c'est pas non plus fou, quoi. Donc, on va essayer de trouver. Regardez, il y a beaucoup de 60 000, de 100 000, de. Voilà, de 50 000. On s'en fiche un petit peu, quoi. On veut des gros loot. Nous, on veut du 200, du 300, du 400 000 d'élixir et d'or. Regardez, il y a 38 000, là. C'est pas fou du tout. Allez, on va essayer de trouver une bonne partie. 200 000 encore, c'est pas top. Bon, je vais vous faire une petite coupure, je pense, et je vous retrouve dès que j'aurai trouvé une grosse partie. A tout de suite. Là, c'est une blague. Là, le jeu, il se moque de moi. Je viens quand même de tomber sur un 3000. Le mec a 3000 d'or. C'est tellement rien. C'est une blague. Je peux même plus attaquer. Il va y avoir une maintenance. Non. Bon, je peux même plus attaquer, du coup, ben, je pense que je vais pas pouvoir vous faire de dernière attaque. Du coup, ben, je vais vous montrer un petit gameplay que j'ai fait il y a 2 jours. Je suis vraiment désolé, du coup, les potes. Oui, je me rappelle, en plus, c'était même pas moi qui ai attaqué cette base. C'est un ami à moi qui avait attaqué. Donc voilà, l'attaque est pas top. Et bon, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et surtout, les potes, dites-moi dans l'espace commentaire quel style de vidéo Clash of Clans vous aimeriez pour la suite. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, j'ai vraiment besoin de vous. À ce niveau-là, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos troll, des vidéos farm, des vidéos plus sérieuses, des vidéos rush, des vidéos GDC. N'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous fais de très gros bisous. J'espère vraiment que vous mettrez le petit pouce bleu pour la vidéo Clash of Clans. Ça serait super cool. Et du coup, moi, je vous dis ciao ciao les amis. A plus. Bye bye.